Ne soyez pas impatient, Pierrick. Voici Joshua Tree, le triple lauréat du Canadian International, le fils du regretté Mongeux, de plus en plus recherché en tant que père de père pour les étalons d'obstacles. Joshua Tree, né en 2007 en Irlande, élevé par Lady O'Reilly. Il avait coûté 360 000 guinées yearling. Il avait été acheté par Coolmore. C'était un gagnant de groupe 2 à l'âge de 2 ans. Il avait gagné les Royal Lodge Stakes, d'épreuves remportées entre autres par Frankel. Un super champion sur les pistes. Ce qu'il a gagné, je vous le disais tout à l'heure, à 3 reprises, le Canadian International, un groupe 1 sur l'hippodrome de Woodbine. Alors, était-il destiné à courir et à briller sur l'hippodrome de Woodbine? En tout cas, sa mère, c'est Madeira Mist, une fille de Grande Lodge, avait gagné groupe 3 sur l'hippodrome de Woodbine, c'était au Canada, sous l'entraînement de Christophe Clément. Auparavant, la mère avait été entraînée en Irlande chez Kevin Prendergast. Alors, côté maternel, c'est tout bon. Et côté palmarès, c'est tout bon aussi pour ce Joshua Tree. À l'âge de 2 ans, il avait donc gagné groupe 2 devant un certain Vale of York. Vale of York qui avait par la suite gagné Breeders' Cup aux États-Unis, toujours à 2 ans. À 3 ans, il gagne pour la première fois le Pattinson Canadian International, 3e des Great Voltigeurs de Rewilding. À 4 ans, il est 2e de Sarah Lynx dans le Pattinson Canadian International, une nouvelle fois. 3e de Dane Dream dans le Grand Prix de Baden. À 5 ans, rebelote, il gagne le groupe 1 de Woodbine. Il gagne le prix Kergorley également en France. Et à 6 ans, rebelote, il gagne un historique 3 coups de 3 dans le Canadian International. Joshua Tree, un fils de mon jeu, disponible au haras du Grand Courgeon à 3 000 €. Le saut poulain vivant, baie 1,65 m pour ce fils de mon jeu.